Après avoir trouvé notre 4x4, on s'est pris un petit McDo et direction la ferme à Natalia, au nord de Melbourne. Ça y est, on est parti. Ouais, c'était compliqué. On est parti de la ville de Melbourne et là du coup, on va direction la ferme pour aller travailler. Droite. On est trop contents, on attend que ça d'aller travailler parce que la ville, qu'est-ce qu'elle est chère. Moi c'est pas que pour l'argent, j'ai envie de voir des kangourous. J'ai vraiment envie de voir des kangourous là et des vitraux de béton, pas assez de kangourous. Je veux des kangourous là, c'est acté. Des kangourous là. Oula, trop hâte. Ouais, vraiment hâte d'arriver, de rencontrer les gens à la ferme et tout, ça va être trop bien. Par contre, à cause de la guerre en Ukraine, le prix de l'essence, qu'est-ce que c'est cher. On va pas se mentir. Ouais, c'est pareil qu'en France. Hein. C'est avec, on est parti à ce moment-là, c'est tout, c'est comme ça. Donc, hâte d'aller mettre les mains dans la bouse. Hâte de ramasser de la merde. Là, par contre, c'est la première fois qu'on a vu le panneau où il y a des kangourous. Attention, kangourous. Et là, il y a des fils électriques partout au bord de la route pour pas qu'ils s'approchent, je pense. On a trop hâte, on va voir nos premiers kangourous. Ah, j'ai trop envie de voir des kangourous. Ça y est, on a vu les kangourous. On a vu le premier kangourous. On les a vus de loin et trop rapidement. Non mais là faut qu'on en revoie parce qu'en fait on est un peu dégoûtés. On est parti trop vite, c'était ça allait trop vite. En plus il pleut donc on voit pas tout. Mais j'en ai vu un, j'ai vu sa petite tête. Ah moi j'ai vu que leur dos. Ah. Il y a plus de vaches que de kangourous ici. Putain, on veut voir des kangourous, nous. Tu peux enlever tes trucs. Ah oui, c'est vrai. Il pleut plus. Non, en plus il pleut quoi. En Australie, il pleut. Merde. Là, je sais que si on prend la sortie, on en voit en vrai. Ouais, mais on prend pas la sortie. On a vu un kangourou, mais il était mort sur la route. Ah oui, c'est le kangourou le plus proche qu'on ait vu. Arrête, c'est pas drôle. Le pauvre bébé. C'est pas drôle, c'est ta réaction qui est drôle. Qu'est-ce qu'elle veut là, mais qu'est-ce qu'elle m'a fait. Viens nous vivre bébé. Alors Nathan, bah alors, deux cochons qui se regardent. Ça te dérange pas de manger raclette à côté? Non. Oh. Regarde la bête là. Quelle bête? Ah c'est quoi ce truc dégueu? Ah ça ressemble. Mmh. Oh non. Ah, elle t'appelle hein. Are you okay, bro? Wow, c'est bien. Lazy dog. Oh. En fait, on est dans la petite maison dans la prairie là, non? Ouais. Oh mon dieu, toutes les vaches. C'est notre premier jour de travail. T'es prêt? On va les faire. Préparez-vous. C'est moi qui fais de vous la mienne. Première étape, mettre la machine sur les mamelles des vaches pendant qu'elles mangeaient. Certaines faisaient deux tours car elles avaient beaucoup de lait. De l'autre côté, retirer la machine et stériliser les mamelles des vaches. Oh baby. What? It's not his son. She's her mom, okay? Yeah. It's my baby now. Ça va faire des bonnes côtelettes d'agneau ça. Oh, quel gamin. Ouais, après ça va se retrouver dans l'assiette chez Cook House, côtelettes d'agneau à volonté. Ça y est, c'est mon chat. Pardon. Pardon. En fait, je me suis fait chier à la gueule. Fais voir.
C'est donc ça le travail à la ferme. Ah non mais on dégage. Mais j'ai envie de partir là maintenant, tu sais. On est qu'au troisième jour. Mais on a même pas signé de contrat. On a même pas signé de contrat, on va même pas être payé, tu sais. Je veux voir ta tête de plus près. Attends, arrête. J'ai des mousses autour de moi. Oh bébé, viens nous voir. Il a pas trop envie de sentir ta merde, je crois. Ça te réconforte? Eh, ça va. Est-ce que ça pond des œufs ici? Ça, c'est notre réconfort de la journée. Voilà, déconfiné. Oh, t'as une casquette aujourd'hui, Nathan. Ouais, c'est pour éviter de prendre du caca sur la tête. Ça t'est déjà arrivé? Il faut pas en rire, c'est pas drôle. Cathy, elle a bien fait de prendre des casquettes. Oui. T'es trop mignon. On part avec, bébé. On part avec. Est-ce que je pourrais pas attraper? Si, entraîne-toi. Oh la vache, c'est pas comme ça que tu vas attraper les boulets, hein. Oh. Non, mais alors lui, par contre, c'est notre chouchou. Oh. Coucou toi. Coucou lui. Pas toi. Hein. Mmh. Oh, mais c'est une grosse bourma, par contre. Il est en train de te lécher l'oreille, là. Le love. Non, mais... Et toi, t'es content. Oh. Ça me fait quelque chose. Quel gamin. Ça y est, on est dans la voiture. On a plus d'essence. Moi, mais c'est pas grave, ce n'est pas grave. Parce qu'on arrête le milking, la traite des vaches. Il reste, c'est pas le